La question de la question théologique, il parle très peu dans le livre. Je me demande, peut-être Elisabeth, qui est une descendante de Makegumi, son papa, il a vécu un peu au Brésil à l'époque. Il a été chassé par les Brésiliens, il a subi la violence des Brésiliens, et puis ensuite il a subi la violence des Japonais, des deux. Mais bon, vous connaissez bien la culture japonaise. Quelle est l'importance théologique? Parce que lui, il ne parle pas. Je me suis demandé si justement ce n'était pas si important que ça dans la culture japonaise, et si la question des traditions, dont peut-être la militaire et celle de l'empereur serait plus importante, prendrait le dessus à certains moments. En l'occurrence, les questions religieuses. Le théologique ou politique japonais, il est. C'est pour ça que je dis, c'est pas théologique, hein. Oui. Occidental. C'est vraiment justement qu'est-ce que c'est que l'empereur, qu'est-ce que c'est que la tradition, qu'est-ce que c'est que l'honneur, et comment ça se transmet ou pas. Mon père, en fait, ma grand-mère et mon grand-père, pour eux, l'empereur, c'est un dieu. Et par exemple, quand l'empereur allait passer, tout le monde se mettait par terre, avec la tête par terre, parce qu'on ne pouvait pas regarder le roi soleil, qui s'appelait le roi. Et ça, c'était quelque chose qui marquait un peu mon père à l'époque, quand il a eu conscience de ça. Mais dans ma famille, il y a eu toujours, dans la famille de ma grand-mère, la photo d'un empereur, comme vous avez ici les photos de chrétiens. Oui, la photo était vénérée vraiment comme en Dieu. Ma famille, elle était shintoïste. Oui, elle était shintoïste, alors ça veut dire que la religion n'y a pas trop joué là-dedans. Mais la obéissance, c'est surtout ça. Ma mère était s'il vous plaît, plus fort. Mon père était japonais et marié avec une fille des Allemands. Ah oui, descendant d'Allemands. Alors, mon père, il était déjà assez, je dirais, révolté avec tout qu'il avait fait. Il était japonais, il est immigré au Brésil il y a 2 ans. Et il n'est jamais s'intéressé en japonais. Je suis fils unique. Exactement, parce qu'il y avait ma grand-mère, ils ont 6 garçons. Et il disait toujours qu'il ne voulait pas avoir beaucoup d'enfants. Et une autre chose qui, comme les Japonais au Brésil, ils ont réussi de cette façon, comme tous les immigrés qui immigrent avec la famille, ils sont réussi bien. Et la plupart des Japonais, ils ne sont pas milliardaires, mais ils sont des médecins, des ingénieurs, des mathématiciens. Ah, il y a beaucoup de milliardaires. pas autant. Mon père, alors, après tout ça qu'il a vécu, il est devenu très silencieux, il ne parlait pas du tout, presque, et c'était la honte, c'était comme le silence pour tout le monde. Personne n'osait parler de ça. Et si on demandait, ils disaient, mais ça s'était passé. On ne parle pas de ça. Mais mon père, comme j'étais fils unique, il avait bien réussi dans ses affaires, il a dit, toi, tu ne vas pas apprendre le japonais, et tu vas apprendre le français.
Et alors il m'a mis dans une école française à 6 ans, parce que ma mère était morte quand je suis née. Et j'ai commencé à apprendre le français à 6 ans. Et à 7 ans, je chantais la Marseillaise. Ça, c'est un contre des parce que lui. Oui. Lui, il ne voulait pas. Il y a deux frères qui sont rentrés au Japon. Ils ont coupé complètement les contacts. Parce que mon père, il a dit, tu es né ici. Moi, je ne suis pas né ici. Mais le pays où je suis né m'a rien donné, au contraire. Alors, c'est fini. Ici, on ne parle plus japonais. C'est fini. On va parler français. Au fond, votre père était une grande exception dans le milieu. Exactement, et ça continue. Et moi, encore, double exception. Parce que je n'étais ni brésilien, ni allemande, ni japonaise. Et alors, je pense que c'est pour ça que je suis finie en Suisse. Je pourrais reprendre un peu les deux autres questions dont je n'ai pas répondu. Celle de la bombe atomique comme inassimilable. Dans cette difficulté d'admettre la défaite, il me semble qu'il y avait plusieurs choses qui étaient inassimilables, mais je pense que ce qui était le plus inassimilable, c'était la situation qu'ils avaient au Brésil, ça veut dire de doublement, triplement écrasé et à plusieurs reprises, ça veut dire c'était traumatisme sur traumatisme. Il y a eu justement, je pense que c'était symbolisé par cette histoire du rêve brésilien qui s'effondre et qui ensuite devient un rêve japonais, et le traumatisme du changement violent de culture pour ensuite le traumatisme de devenir ennemi de la société environnement. Ouais, moi je vous rejoins, j'ai l'impression que vous entendons, ce qui me vient c'est la recherche de sens simplement. On sait que l'humain, voilà, il a des besoins primaires de nourriture, de sécurité, de sexualité, mais il a besoin de sens. Je pense que les gens qui sont partis quoi, entre 18 et 20, les conditions pour traverser un océan, c'est long, surtout les bateaux à l'époque, c'est périlleux, c'est pas forcément les plus riches, les plus fortunés, voire les plus intelligents, en tout cas ceux qui ont le plus de succès économique, qui fuient le pays, parce que ceux qui ont une bonne situation, ils y restent, donc c'est déjà un petit peu des losers. Ils arrivent dans une situation qui est un peu compliquée, où ils sont, alors certes entre eux, c'est sympathique, on parle la même langue, mais ils sont quand même marginalisés. Et je pense que c'est vivable tant qu'il y a un mythe qui s'accompagne et qu'on se dit, ben voilà, c'est mon rêve américain, c'est mon rêve brésilien, c'est mon rêve de faire fortune dans le nouveau monde. Et puis ça tient tant que c'est possible. Mais si déjà à l'intérieur on est ostracisé, ça va plus, qu'il y a des guerres intestines, qu'on ne peut plus parler notre langue, qu'on nous apprend que notre Dieu ne serait plus un Dieu, mais qu'il aurait été un humain qui était vaincu. Et là je rejoins ce qui a été dit, on l'a vu, j'avais assisté à une analyse du film Pacific Rim où il disait que simplement le corps japonais était représenté par ce robot, la fascination des Japonais aussi pour la robotique, c'est ça, c'est le corps, l'intégration physique de l'empereur avec l'empereur et l'humain, c'est un peu, on trouve des idées à la Thomas Hobbes un peu là-dedans, et c'est vrai que tout à coup un dieu qui est désincarné, c'est pas possible, c'est comme si on nous disait que Jésus était un SDF qui avait des idées loufoques, c'est pas possible quoi, c'était Dieu, si on y croit on perd tout. Et j'ai juste l'impression que ces gens-là, ils avaient tellement à perdre en même temps que ça devenait plus acceptable, quoi. Et un petit peu, c'est le parallèle qu'on a, même les gens qui étaient dans les camps d'extermination nazis, qui ont continué à faire de la poésie pour certains, de la musique, parce que la réalité était tellement inacceptable et impensable qu'ils allaient tous y passer, qu'il fallait se mettre un fantasme. Le très beau film « La vie est belle », il est un peu caricaturé là-dedans, mais c'est vrai, il faut parfois se raconter une histoire. Et évidemment, je pense qu'il y avait des enjeux aussi politiques, faut pas trop poétiser non plus. Je pense que des gens ont sciemment menti aux autres et se sont débarrassés des autres parce qu'en même temps, ça les arrangeait bien des pieds. En même temps, faut pas tout mettre sur le culturel. Mais je me demande si au milieu de ce délire,
n'y a pas le besoin de sens. Comme nous, on croit aujourd'hui que ce bout de papier vaut rien, puis celui qui a marqué 10 francs dessus, puis Confédération Helvétique, je peux l'échanger contre une pizza, quoi. Mais on vit tous de sens construit, mais finalement, la différence pour moi entre un délire et une réalité, c'est que le délire partagé par tout le monde, on le considère comme une réalité. Quand là, il est aussi minorisé, puis assez absurde, parce qu'on a eu accès, nous, aux photos, puis à la réalité des bombes atomiques, bon, on se dit qu'ils avaient tort. Mais en tant que tel, si aujourd'hui, ils avaient gagné, et puis ils avaient complètement nié l'existence, probablement qu'on vivrait dans le temps, quoi. Et ça repose un peu la question, c'est un sujet qu'on avait discuté un petit peu l'autre jour, des fonctions du récit. En fait, quelles sont ces fonctions, si c'est des fonctions constituantes, continuantes, dans le sens de faire persévérer une entité dans le temps, ou est-ce que c'est la fonction qui est un peu sclérosante du récit, c'est-à-dire qui immobilise quelque chose dans l'identité et qui tend à pouvoir le faire casser, en tout cas à générer des fractures au sein de, dans le cadre de la communauté japonaise au Brésil, et de voir que c'est certainement diverses fonctions du récit qui sont mobilisées à différentes étapes, de manière contradictoire, qui peut, comment dire, pour ce qui pour nous fait histoire, parce qu'on parle dans ce que nous a raconté, nous on le voit comme de l'histoire, et puis il faut essayer de le voir comme du récit, c'est-à-dire quelque chose que je porte et que j'active. Pour rebondir un petit peu sur cette question de sens, qui est un terme très complexe à utiliser, parce que le sens, c'est pas ce qu'on y met, c'est comment est-ce qu'on le porte. Et ça, c'est peut-être une distinction importante. Et je sais pas si, comment est-ce que toi, par rapport, par exemple, à cette idée de qu'est-ce que c'est qu'un récit, ou comment est-ce qu'on porte un récit, si en regardant, en faisant un retour sur ce que tu nous as présenté, si tu dirais plutôt déni ou plutôt délire. Tu vois, mais par rapport au fait que c'est un récit et la manière, puisque toi tu as eu accès en travaillant cette matière, la manière dont c'est formulé. Tu vois, la manière dont il le raconte, vraiment. Est-ce que tu partirais plutôt sur l'un ou sur l'autre? Oui, je pense que ce sont deux récits dans cette histoire, ça veut dire. Le récit que la communauté essaye de se construire, ou les deux parties de la communauté essayent de se construire, et puis le récit de l'écrivain, donc notre récit aussi autour de toute cette histoire. C'est vrai que j'ai eu de la peine à considérer la question comme un délire, même si le mot délirant revient tout le temps dans le livre. Puisque la police même disait tout le temps « c'est fou, délirant hein ». Encore, il y a un peu quelque chose de l'ordre du délire, de l'ordre d'une construction, d'une belle construction, toujours à partir d'éléments de la réalité, comme un délire, n'est-ce pas? Mais évidemment, la question du déni, elle est forte, mais je me demande aussi si c'est suffisant. On a l'impression que le déni... Il donne un sens où il explique, on peut comprendre un peu par le déni, mais pas suffisamment, puisqu'il y a quelque chose qui est d'une puissance extrême, oui. Moi, je ne sais pas s'il faut opposer déjà déni et délire, parce que dans la construction d'un délire, il faut qu'il y ait un déni d'abord, enfin, en tout cas, dans une conception freudienne. Puis on dénie la réalité, puis on construit une nouvelle réalité qui nous arrange, enfin, qui nous permet de passer quelque chose de traumatique. Enfin Moi, par rapport à ma question, en fait, en y réfléchissant, j'ai une petite réponse. Oui, mais je viendrai encore. Vous viendrez, mais je ne l'ai pas oublié. Non, parce que j'ai mis un peu bout à bout ce que vous avez dit en réfléchissant, donc j'ai repris, si vous voulez, il y a Lasseg et Falret qui parlent du délire à deux en 1877. Et puis pour eux, il y a trois conditions. Premièrement, il y a une sorte de loi de la différence intellectuelle et de caractère entre les deux individus, celui qui produit le délire et qui va contaminer l'autre personne. Alors je me disais que là, on pourrait très bien y voir
cette espèce de rapport d'admiration, de soumission à l'empereur, à la suprématie japonaise. Donc il y a quand même ce rapport-là de domination, quelque part. Deuxièmement, d'après Falleret, Lasseg, il y a la loi du milieu clos, d'individus qui partagent absolument tout. Bah, c'est un petit peu le cas, je veux dire. Ils vivent isolés, cette communauté japonaise. La plupart ne parlent pas le portugais, le brésilien. Et ils vivent vraiment entre eux. Et puis voilà, ils vivent un peu en dehors du monde, ou de l'influence du monde extérieur. Donc ça, on le voit bien dans votre récit. Et troisièmement, il y a la loi de la vraisemblance, selon laquelle le délire doit être vraisemblable de manière à ce que la conviction délirante puisse être communiquée entre les différents individus. Bah, c'est assez vraisemblable, vu que l'empereur est immortel, qu'il descend des dieux, que le Japon n'a jamais perdu, bah, c'est très vraisemblable. Donc ça se diffuse assez facilement. Mm-hmm. Enfin, voilà. Oui, c'est une logique absolue. Oui. Oui. Ce à quoi m'invite l'ensemble des réflexions qu'on déroule ensemble aujourd'hui, c'est de savoir si, d'un point de vue anthropologique, il ne convient pas d'assumer et de prendre pour hypothèse que ce qui est premier, et en un sens ça me semble évident, mais que ce qui est premier, c'est toujours un peuple. Jamais un individu. Mm-hmm. En d'autres termes, un individu n'existe qu'en tant qu'il est partie prenante d'un récit, qu'il reprend, qu'il reçoit, dont on le biberonne dès la naissance, et que progressivement il reprend et rejoue à sa manière. Et qu'il n'a au fond pour... je reprends le terme, donner sens à son existence, il n'a pas d'autre, au fond, clavier, registre, partition, que celle qu'il a reçue. Donc, au fond, il faudrait vraiment aller jusqu'à l'hypothèse anthropologique que ce qui est une fiction, c'est l'individu. Ce qui est une ? Ce qui est une fiction, c'est l'idée qu'il y ait des individus. Au fond, il n'y a pas d'individu. Il n'y a que des parties prenantes d'un tout, toujours déjà en cours, et dans lequel toujours déjà, je suis pris comme partie prenante et qui va jouer quelque part sa partition, plus ou moins bien, avec plus ou moins de succès, etc., etc. Donc l'individualisation, au fond, serait toujours seconde du récit. Et que, d'une certaine manière, ces Japonais sont pris dans une tension entre la pérennité de leur être japonais versus, chez certains, un certain devenir brésilien, parce que tout à coup, ils sont inscrits dans une totalité qu'ils perçoivent, une totalité pop qu'ils perçoivent comme étant distincte, et dont ils perçoivent peut-être qu'ils ne pourront plus véritablement s'échapper. Au fond, ils sont là pour rester, donc il faut bien qu'ils entrent dans ce récit brésilien. Et où, effectivement, à la lumière de ce récit brésilien, le récit des identitaires devient délirant. Mais ce sur quoi je tiens, au fond, c'est que, au fond, qu'est-ce qu'on appelle un délire ? Un délire, reprenons la formule, c'est l'histoire du vainqueur. Le délire, c'est le récit des perdants. Mm-hmm, c'est gros. Ça. C'est-à-dire, enfin, dans les questions. Oui, c'est... ce qui est premier, c'est le peuple. Et le peuple, il a aussi ce caractère coercitif, dans le sens que le délire, c'est ce qui entre en contradiction, ce discours qui n'est pas accepté, qui est rejeté par une position de pouvoir. Donc c'est pour ça que, en termes individuels, c'est beaucoup plus simple de le dire qu'en termes d'un groupe. Même si la communauté japonaise au Brésil, elle était dans cette position de dominer.